Alors bonjour, je suis le major Philippe Renard, le pen bagad de Landbiwe. Alors le bagad de Landbiwe, c'est la seule d'ailleurs formation de musique traditionnelle de la marine et a fortiori de l'armée française. C'est une formation qui existe depuis 1952, date à laquelle elle a été créée par des militaires qui étaient donc affectés sur la base de Landbiwe, qui se sont retrouvés, fortuitement un soir, et puis qui ont décidé ensemble, à l'issue d'une conversation, de monter un premier petit groupe. Donc de 1952 à 1956, le bagad a rayonné à proximité immédiate de la base, en Bretagne, et puis en 1956, il est devenu par décret le bagad officiel de la Marine nationale. Bien sûr, c'est d'abord un instrument très très important pour le rayonnement de la marine, mais aussi bien sûr un instrument de rayonnement de la musique traditionnelle bretonne et plus généralement la musique celtique. Alors le bagad a vécu des grands événements, hein. Il était présent en 1967 à Québec avec le général de Gaulle lorsqu'il a lancé sa fameuse phrase « Vive le Québec libre ». Il est présent sur toutes les grandes manifestations nationales, les défilés du 14 juillet. J'ai même eu moi l'honneur de sonner devant la reine d'Angleterre en 2011 et de pouvoir lui parler comme je suis en train de vous parler, donc c'est quand même des moments exceptionnels. Et puis bien sûr on est particulièrement heureux de parcourir la France pour montrer ce que nous faisons, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent encore moins, eh bien on est accompagné donc ce soir du cercle celtique du Croisty. Donc le Croisty, c'est une petite ville dans le nord du département du Morbihan, avec un cercle qui évolue parmi les meilleurs en Bretagne et que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés pour justement présenter un spectacle riche en couleurs et faire comprendre aux gens que la musique traditionnelle bretonne, elle est intimement liée à la danse.
C'est une musique festive, donc c'est une musique qui incite à taper des pieds, taper dans les mains. Et puis j'espère en tout cas que ce que vous allez entendre, ce qui vous sera présenté, vous donnera l'envie non seulement de revenir nous voir, mais aussi de venir en Bretagne et puis assister à toutes ces fêtes qui sont très très importantes et qui ont lieu tout au long de l'année dans notre belle région. Ce soir, il y aura une quarantaine d'artistes sur scène entre les musiciens du Bagad et puis les danseurs du cercle. Donc voilà, c'est un beau plateau et j'espère un plateau qui ravira ceux qui connaissent et puis surtout qui permettra à ceux qui ne connaissent pas de nous découvrir. En tout cas, nous, on est heureux d'être ici. On vient quand même assez souvent dans l'est de la France, pas forcément dans la région de Nancy. Mais en tout cas, on sait que c'est un bon public. C'est des gens qui aiment la fête et qui aiment voir les Bretons et leur façon d'être, de vivre et puis de diffuser leur culture traditionnelle.